Salut à tous et à toutes, c'est The Solirian et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le let's play de Skyrim. Donc ça faisait un bon bout de temps que je n'y avais pas rejoué. Donc on se retrouve donc pour la partie 14. Donc il faut que je m'y remette dedans moi. Je sais plus du tout où est-ce que j'en étais, donc je me suis fallait charger la corne de Jürgen par le vent. Je sais plus où c'est. On va bien voir sur la carte de toute façon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les temps de chargement, je vais peut-être les passer pour gagner du temps. Ok, des moments, bof. C'est pas si gênant que ça. Ouais, bah non, parce que ça. Oh là là, je suis perdu. Donc cette vidéo, je sais pas quand est-ce que vous l'aurez, hein. De toute façon, je tourne mes épisodes à l'avance. Je les tourne mes épisodes à l'avance. Bah vous le savez déjà. Je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, il faut que j'aille là-bas. Donc juste aller là-bas pour aller rendre, je sais pas si vous vous souvenez, de l'épisode de... Ah ben non, vous vous souvenez pas, je suis... Enfin si, oui, si. Oh là là, je suis perdu dans les vidéos, désolé. Donc vous vous souvenez, dans l'épisode précédent... On était allé donner les provisions pour comment il s'appelle, les grises barbes, voilà. Et bah là on va retourner voir le personnage. Donc le personnage qui nous avait demandé. Ouais, les chargements par contre c'est dommage, ils sont un peu longs. Il y a un mode qui s'est enlevé mais je sais plus lequel c'est. Je vais essayer de pas durer trop longtemps. Toujours ces temps de chargement. Voilà. Alors, il est où? Là-bas. Voilà, désolé. Voilà, alors, il est là. Je vous apprécie. Tenez. Prenez ça, je pense que ça vous plaira. Hors 7. Radinve. Ah, content de vous revoir. Comment s'est passé cette... C'est une sacrée ascente. En tout cas, j'apprécie sincèrement. Tenez. Ah bah voilà, 500, là c'est mieux. Bah voilà. Merci encore d'avoir préparé le terrain. Alors, on va aller là-bas. Ouais, ça fait vraiment un bout de temps que j'ai pas joué à Skyrim. Ça commence à manquer un peu, j'ai eu une envie de jouer. Où est-ce que... Ouais, je pourrais aller à Solitude. Ouais, je vais aller à Solitude pour aller plus vite. Donc je vais faire un déplacement rapide à Solitude. De Solitude, je ferai le chemin pour aller jusqu'à récupérer la clé. La dague là-bas. La corne, pardon. Non, c'est parce que j'ai vu la dague du Khajiit là. C'est pour ça j'ai dit dague, mais voilà. Oh là là, j'ai un petit peu de mal à me remettre dedans. Merci, le prince des draps, connu également sous le nom de chasseur des princes. C'est le père des hommes bêtes, il peut invoquer je sais pas quoi. Je crois quoi que les temps de sauvegarde comme ça, je vais les passer. Allez, je vais les passer, les sauvegardes, ça sera mieux. Ouais, merci. Solitude. Remonter, mais j'ai... Bon. Bon, allez, c'est parti. Non, mais maintenant, oui. Je suis la reine de Solitude, la fille de l'empereur. Invoquez les Dédras. Je vendrai l'âme de tous mes sujets pour un peu de confort. Reine Potema en 97 de la troisième ère. Les forges et les meubles permettent de fabriquer et d'améliorer armes et armures. Ah, les meules, pas les meubles. Ouh là là. Je sais plus lire. Alors.
quatrième ère a commencé il y a 200 ans. Re les amis, voilà, donc on est à Solitude. Hein. Bah, je vais peut-être découvrir le lieu là-bas. Ce sera fait, comme ça je pourrais faire juste des déplacements rapides. Vous êtes à Solitude pour rejoindre la Légion à Contrebois. Allez, faut courir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas si quand vous verrez cet épisode, le film Craft sera fait. Normalement, le premier épisode de Min E-Games devrait être sorti. Normalement, je ne sais pas encore dans l'ordre dans lequel je vais le faire. Parce que l'épisode de Min E-Games, je ne l'ai pas encore fait en fait. Et Léon ne revient que au début des vacances. Donc là, on est une semaine avant en fait. Là on est donc là on est mercredi, il revient vendredi, donc voilà, donc on pourra faire sûrement donc ce week-end. Non, j'ai un truc d'anglais à préparer, oui, parce que oui, je fais de l'anglais au lycée et j'ai besoin de, comme j'ai été absent en fait toute la semaine dernière, comme j'ai été malade, oui, vous vous en fichez un peu, mais bon, c'est pareil. J'ai été malade, donc j'ai pas eu le travail à faire. Et il se trouve que normalement, pour vendredi, j'avais un oral d'anglais, mais finalement, il était décalé au lundi des vacances. Oui, je dois rendre un travail pendant les vacances. Ça se fait, oui. Voilà. Voilà, voilà. Ah, je dis que j'allais passer les chargements, mais je l'ai encore pas fait. Hein. Bon, allez, voilà. Allez, maintenant je le passe. Ils peuvent pas faire de mal à tonton Rebire. Dites-leur qu'il est innocent. En position. Oh oh. Tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Allons, au travail. Reculez. Interrompre une exécution est un crime grave. Je le fais ou pas? Non, on va regarder. J'ai caché le premier, je vais pas cacher celui-là. Reculez. Interrompre. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Adra. Quelle générosité, Vivienne. Bon. Rogir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorin. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole. Il n'y a pas une mort. Ulfric a défié Thorin. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. Juste regardez si là c'est bon, oui. Voilà. Moi je m'assois. Bon allez. Donc là je laisse hein. 3, 2, 1, attention, coupé. Et voilà. Magnifique. C'est bon, je peux y aller maintenant. Voilà. Qu'est-ce que ça peut signifier? Mon retour. Qu'est-ce que je peux lui prendre en l'email de Talos, voilà. L'enfant de dragon. C'est qui parmi nous pourrait avoir l'honneur? Oui. Hop là, tiens. Oh, c'est le crâne de Lennon encore vivant. Ben maintenant, on sait d'où il vient en fait. Oh bah je peux le prendre. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Vous ne seriez pas mercenaire par hasard? Ah bah tiens. Tenez-vous à carreau dans ma ville. Ok, bon, alors, on y va. Voilà, donc on se retrouve après le chargement, donc je viens de sortir de la ville. Et c'est parti! Le chemin il va être assez long. Pardon, le chemin il va être assez long, j'ai l'impression. Ouais, il va être assez long. Bon. On va essayer d'aller jusque là-bas, ça serait déjà pas mal.
ferme de Katla. T'as Katla fermée. Oui, non, toujours. Non, c'est. Oui, je sais, c'est nul, et alors. Oula. Je suis un fou, moi. Hop là. Dommage que sous l'eau, ça soit pas un peu plus coloré. Un peu plus joli, ce serait pas mal. Ça, ouais. Ce serait pas mal un peu plus joli. Vassar. Et voilà. Ouais. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est ? Guérison augmentée. Allez, on prend. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh bah. Ah bah il a mouru. Moi tant pis. Une pierre. Donc ça si ce sont, oui, bah, vous le savez déjà, mais ce sont les pierres gardiennes. Il en existe 12 si je me trompe pas dans tout bord de ciel. Je veux savoir de quoi c'est. Non, c'est gros de mort, ça. Pierre de l'apprenti. Capsule, c'est un apprenti retrouve la magie plamion mais sont sensibles aux dégâts magiques. 15. Non, c'est bon. Bon, allez, on va jusque là où j'ai dit qu'on allait. Ah, ouais, je pourrais faire ça et puis prendre un sort de l'autre main. Voilà, alors on sort, j'ai quoi? Flamme, froid, étincelle. Ouais, le froid. Parti. Des méchants. Ah, des araignées. Oh, oula. Ah, voilà. Pas mal, pas mal. Elle est où l'autre? Ah, bah, elle est là. Eh ben, pendant un moment, j'ai cru que ça avait planté. Bah, non. Petite élimination sur une givrée pierre. J'ai l'impression que je lag un peu à cause de la vidéo, sûrement. Ouais, j'ai que 11 FPS. Bon, bon, bon. C'est un peu vide ici, non? C'est ça, ouais, ça me paraît un peu vide. Bon. Allons-y, allons-y. Je crois qu'on arrive bientôt. Mais c'est quoi ces frises là? C'est fait exprès ou bien? Ah d'accord, c'est mon chat qui fait du bruit à côté. Il me disait tiens, il y a quelque chose, ben c'est le chat. Un filon de corindron. J'ai pas de pioche. J'ai vrai pierre là-bas, bon tant pis, on s'en fiche. Et nous allons là-bas.
Et nous arrivons bientôt à destination. Voyez ici est un coin paumé. Et nous arrivons en face de. De quoi déjà? C'est comment il s'appelle le lieu déjà? Bah, je vais le voir. Je sais plus comment il s'appelle le lieu. C'est. Ustengrave. Ustengrave, c'est ça. Ah là, on est arrivé. Voilà, voilà. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête ici et qu'on ira explorer ceci un peu dans l'épisode suivant. Hein. Voilà, je regarde en même temps ce qu'il y a à prendre. Voilà. Voilà, et ben nous irons là-dedans au prochain épisode. Allez, salut tout le monde!